Salut les vapeurs, Sarrage de retour, comment allez-vous? Bien, un petit moment que je n'ai pas fait de review, on est samedi 25 avril, il est 12h23 et 20 secondes. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai repris le boulot la semaine dernière, je suis éclaté, d'où les Ray-Ban. Boulot la semaine dernière chez moi, puis depuis mercredi à l'extérieur chez des clients pour un bon mois, un mois et demi quasiment, sans pause, quelques jours de break où je pourrais peut-être faire des reviews, les week-ends, etc. Mais voilà, grosse période de boulot, redémarrer, donc voilà. Désolé pour les retards de review, de concours et compagnie. Je n'oublie rien, je n'oublie jamais rien. Voilà. Donc aujourd'hui, une petite review matos sur une box chinoise que j'ai depuis un petit moment, la K-Box de Kanger. Excellente petite boîte. Très simple d'utilisation, à moins de 40 euros avec un AQ 18650. Conçu pour être flush avec le subtank en 25 mm le gros, mais on y met ce qu'on veut, avec un design donc avec un rond de 25 et un petit carré de 20 à côté, pas d'écran, deux boutons, plutôt sympa, plutôt efficace, j'ai pas vu tellement de reviews FR dessus, donc voilà, elle m'a été envoyée par Jérôme de Culture Vape, merci Jérôme. J'aime bien l'utiliser, plutôt efficace, ça dépend avec quel matos, on peut pas faire n'importe quoi avec cette box, mais à son prix, on peut pas trop en demander. On va voir tout ça en détail, on passe tout de suite en gros plan, c'est parti. Donc nous voilà en gros plan sur la K-Box et sa boîte et compagnie. Donc comme d'hab depuis un moment maintenant, les subtanks et d'autres, les produits Kanger viennent dans une boîte cartonnée absolument magnifique. Moi je suis absolument fan de ce rouge, de cette lettre avec le visuel du produit dans la lettre. C'est vraiment très 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 beau, toujours les trucs à gratter, les infos au dos. Qu'est-ce que c'est que cette mise au point? Oh mais c'est juste à chier. Voilà quoi, les dimensions, donc elle fait 89 de haut, 40 de large, 20 sur le carré, 25 sur le rond, prendre du 18-650, évidemment prendre de bons 18-650, de 8 à 40 watts, elle a toutes les protections, short-circuit, overcurrent, comment on traduit ça, je ne sais pas, elle coupe au bout de 10 secondes de fire, AQ remplaçable, charge d'accu indiquée et wattage variable. Voilà. Elle a aussi l'inversion de polarité. Hein. Si on met l'accu à l'envers, il ne se passe rien. J'ai testé. Donc toutes les protections qui vont bien, les précautions, les autres, on s'en fout. Donc voilà. Une boîte tiroir, comme d'hab, avec dedans pas grand chose. Le scratch machin, les indications, comment ça marche. Pour vérifier l'authenticité, on s'en tape. Et un manuel. En anglais et en français, formidable Kanger. Donc tout est dit, c'est très simple, c'est pas forcément super bien traduit, mais tout est là, l'important, l'essentiel est là. Donc voilà pour la boîte, on s'en tape. Donc les tailles, je les ai données, j'ai pas besoin de les remesurer, on range le pied à coulisse. Donc voilà la box, on va virer le subtank. Ok. Un petit tour du propriétaire. Box en alu, hein, c'est un en alu. Je sais pas si le haut qui est un peu différent, qui est d'un gris un peu différent, est en alu ou pas. Un peu brillant, un peu lisse, le haut et le bas, le carré ici. Très agréable au toucher d'ailleurs ces pièces-là. Je sais pas ce que c'est. Mais il parle que d'alu, donc ça doit être de l'alu. Et l'enclosure autour là qui est, je sais pas, ça doit être moulé dans un tube parce qu'il n'y a aucune découpe. La forme là, rond puis carré, c'est assez propre. C'est pas super nickel, notamment ici, mais ça va, ça passe quand même. Donc top cap avec un pin ajustable sur ressort, très très bien.
aucun souci avec aucun atomiseur, il prend tout. Ça doit être du brass, peut-être du plaqué or, mais en tout cas au moins du brass. Je n'ai pas l'info. Un 510 impeccable, des prises d'air si on en a besoin. La gravure K-Box ici. Voilà, petit pot assez propre, assez simple, fait penser un peu à Xbox. Voilà pour le haut. Le bas, le bottom cap, K-Box, CE, ne pas jeter à la poubelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre de marqué en tout petit? Design and manufactured by Kangertech. Donc voilà. Le bottom donc qui se dévisse. Donc c'est cool parce que vu que le tube fait 25, ça dépasse du carré. On est molleté ici, donc on n'a pas trop de soucis à dévisser. Alors il est de bon ton de dire que ce filetage est crunchy, ce qui est pas faux, mais bon, pour une box chinoise à moins de 40 euros, on va pas s'attendre à avoir un filetage digne d'un modder high-end, hein, donc moi ça me va très bien, sachant qu'au bout d'un moment, je pense que c'est de la même matière granuleuse au début, le filetage un peu sablé, donc forcément ça crunch, et puis ça se fait, et puis même si c'est pas merveilleux, franchement, moi ça me pose pas de problème, je vais virer la queue. On va pas se palucher sur une box chinoise à moins de 40 euros. Au fond, le connecteur positif qui est pareil, sûrement en brass. Voilà. Mais bon, le filetage, franchement, pour en finir avec ça, je baisse le son. Sans accu, ça crunch pas, hein, ça va. Hein. C'est surtout que le ressort dans le bouton, qui lui aussi est en brass ou en plaqué or, je ne sais pas, est assez fort. Donc quand il y a un accu, évidemment, il faut presser en même temps qu'on visse. Donc c'est un petit peu plus chiant, mais ça va très bien. Il n'y a pas de quoi pleurer. Donc on voit le finish, un sablé là, et puis plutôt brillant sur le haut et le bas. Assez sympa. Ici, les énormes trous de dégazage, qui est en fait le logo Kanger, qui est très très sympa. Alors on va essayer de montrer l'épaisseur de l'alu. Pas simple. Si je mets mon doigt dedans. Vous voyez l'épaisseur de cet alu là, il y a bien 3 mm d'épaisseur. Et alors ce logo est très sympa, hein. Normalement c'est comme ça, donc c'est un K de Kanger. Mais comme ça, je trouve que ça fait un petit smiley démoniaque très sympa. Avec les deux yeux, la bouche, un espèce de smiley super-héros, super-vilain. Donc j'aime bien, d'autant que si on met un accu vert, eh ben, on va avoir une petite tête verte. Si on met un accu noir, on va avoir une petite tête noire. Si on met un accu jaune, on va avoir une petite tête jaune. Enfin voilà quoi, c'est sympa niveau design. On peut du coup coordonner son setup, son drip tip avec la couleur de la cuisse, ce qui est du meilleur goût quoi. En bleu et pour finir en rouge. Voilà, très sympa. Et donc je disais, quand on a un accu, donc pin vers le haut, hein, positif vers le haut, mais bon, vu qu'on est protégé contre l'inversion, on se prend pas trop la tête. Mais positif vers le haut, négatif au cul. Et donc on vient presser. On va essayer de choper le début du pas de vis, du filetage, voilà, on l'a chopé. Et après, ben, on prend sur les côtés, on revient en arrière, hop, on lâche, hop, on tourne. Ça va très très bien. On est parfaitement flush. Donc voilà pour cette box. Maintenant, intéressant, bon, il y a des petites vis à laine de, ou torx d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est de la laine. De fixation pour le top cap ici, et on en a deux en haut et en bas ici pour le chipset et tout et quanti. Et on a un bouton fire plutôt petit, plutôt sympa, très souple, très agréable à utiliser, qui fait un clic quand on le relâche, pas quand on presse. Donc c'est sympa. On a deux rangées de LED ici, c'est la charge de l'accu. Donc là j'ai un accu pleine charge normalement.
On voit tous les points sont allumés. La mise au point est merdique. Je m'en excuse. Je vais repasser en manuel. J'ai dit que j'allais repasser en manuel. Où est-ce qu'on est? On est pas mal là. Donc, rangée de gauche, charge de la batterie. Donc ça descend au fur et à mesure. Ça s'éteint relativement rapidement. Et rangée de droite, les watts. Alors très particulier. Et puis ce petit bouton, le seul bouton de réglage qu'on a. Donc on clique, on revient. Une fois qu'on est en haut, ça repart en bas. 8 watts, 13 watts, 20 watts, 25 watts, 30 watts, 35 watts, 40 watts. Donc on n'a pas le choix, on ne peut pas régler finement. 8 watts, bah 8 watts, je ne sais pas ce qu'on va prendre à 8 watts, peut-être un quarto. 13 watts, bah 13 watts c'est un peu haut pour un quarto, c'est limite. Peut-être un petit Kaifun, enfin ça dépend de sa vape. Et puis là on saute à 20 watts, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de temps qu'on vape entre 15 et 20 watts, qu'on règle finement. Donc cette box ne sera pas faite pour ça. Hein. Et puis à partir de 20 watts, on va à 25, 30, 35, 40. Ce qui est très bien, par exemple, pour les sub-tanks. Hein, c'est prévu pour le sub-tank, je rappelle, à la base. Mais bon, pas que. Ou pour un dripper, ou moi sur dripper, ou sur sub-tank, par exemple, je suis toujours à 25 ou 30 watts, donc ça me va très bien. Et sur dripper, je suis toujours à 30, 35 ou 40. Hein, je vais pas m'amuser à aller à 36,4, quoi. Donc, voilà. À savoir quand même que pour ceux qui vapent à 15, 16, 17 watts, ce sera pas la box pour vous, quoi. À noter que quand on change de batterie, ça garde le réglage précédent, mais bon... Vu que c'est très simple à régler, on s'en tape un peu. Voilà, cette petite LED blanche, très sympa. Bon, en extérieur, au soleil, on voit que dalle. Hein. Enfin, voilà, faut faire de l'ombre avec sa main pour essayer de voir quelque chose. Mais bon, c'est un petit détail. Donc voilà, design absolument épuré. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Débuter avec ça, plutôt qu'avec une box à écran avec plein d'infos, ça peut être bien pour certains. Et puis, c'est pas laid. C'est vraiment pas laid. Elle existe en noir également. Je suis un peu dégoûté. J'aurais bien aimé l'avoir en noir, mais je crois qu'elle n'est pas encore arrivée dans beaucoup de shop FR français en noir. Donc c'est assez propre. Le revêtement un peu sablé comme ça, il prend un peu les marques, hein, forcément. Moi j'ai une bague, donc je marque beaucoup mes engins. Donc on voit, hein, ça prend des petits scratchs, quoi. Personnellement, je m'en tape un peu, mais voilà, quoi. Des petites marques. C'est quand même relativement très propre, je trouve. Quoi dire sur le chipset? Le chipset, alors quand je l'ai eu, reçu tout de suite, je ne sais plus ce que je lui ai mis, et j'ai entendu un rattlesnake, un serpent à sonnette, je me suis dit, merde, c'est du 33 Hz, c'est du PWM. Et en fait, si je me fie à la vidéo de Monsieur Phil Bussardo, cette box est un signal lissé, un signal lisse plat, à partir du moment où elle booste, ou en tout cas à partir du moment où elle doit envoyer... la charge de la queue ou au-dessus. Si elle doit réguler en step down vers le bas, ça passe automatiquement en PWM, je sais pas comment on dit en français, et donc on a un petit rattlesnake. Donc à noter quand même, mais bon, sur subtank à 35 watts, alors évidemment plutôt utiliser les résistances en 1.2, où là je suis en RBA, je sais pas combien je suis d'ailleurs, Là, je suis à 0,55. Tiens, on va faire le calcul. Ohm Law Calculator. Donc, 0,55 ohms. Mon clavier, 0,55 ohms. Imaginons que ma batterie est à pleine charge. Donc, 4,2. Et que je veux vaper 30 watts. 30 watts, 0,55 ohms, ça donne 4,06 volts. Ça voudrait dire, dans l'absolu, hein, c'est théorique, qu'en pleine charge, à 30 watts sur cette résistance de 0,55, il faudra qu'elle step down de 4,2 à 4,06. Donc j'aurai un petit rattlesnake au départ. D'ailleurs, de plus en plus, à la décharge de la Q. Par contre, si je vape à 35 watts, 35 watts, je vais être à 4,38 volts, donc là je serai en signal plat sur une résistance, je répète, de 0,55. Par contre, si je mets une résistance de 1 ohm à 35 watts, je suis à 5,9 volts, donc je suis clairement en boosté, il n'y aura pas de souci.
à 30 watts, je suis encore à 5,4 volts, donc il n'y aura pas de souci. À 25 watts, je suis à 5 volts. Enfin voilà, on va dire qu'à 1 ohm, je ne serai jamais en PWM. Par contre, vu que cette box prend du... Ah oui, cette box, elle prend 0,4 minimum. Donc si on met du 0,4, valeur minimum acceptée par cette box, si on met en dessous un 0,4, ça flash 3 fois, ça s'éteint, ça ne marche pas. Dès qu'il y a un souci, tous les signaux sont signalés, tous les problèmes sont signalés par un clignotement de toutes les LED 3 fois, je crois. Donc 0,4 ohm, résistance minimum acceptée par la box à 25 watts. Effectivement, je suis à 3 à 1 volt, donc je vais être en WM. Et si je mets à 40 watts le maximum de la box, je suis à 4 volts, donc je vais être limite, quoi. Ceci dit, le Raltus Snake, je l'entends pas beaucoup. Je l'ai entendu au tout début parce que je devais être sur une résistance assez basse, à puissance assez basse. Je ne sais plus trop. Enfin voilà quoi, à noter. Donc, on voit que avec le subtank 25 mm, on est parfaitement flush, c'est parfaitement beau. J'ai même mes 3 airrolls alignés avec la box, qui est merveilleux. Ça le fait plutôt bien. Je vais me mettre à 30 watts, je tire une petite barre. Excellente vape. Donc on va reprendre l'exemple, hein, je suis désolé, ça m'intéresse moi également. À 30 watts là, sur 0,55, je suis à 4,06 volts. Donc a priori je suis en step down, mon AQ est pleine charge, on va dire qu'avec le voltage drop etc, je suis limite, je dois être encore en lisse, je dois être en lisse parce que je sens absolument rien. Je vous fais écouter. Par contre, si je demande moins de 30 watts, je vais demander 20 watts. Là, il devrait être clairement, si je demande 20 watts, sur 0,55 ohms, 3,31 volts. Effectivement, je ne sais pas si vous allez l'entendre. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas un Raltus Snake de furieux. Hein. Bref. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre d'intéressant. Prise en main, donc plutôt en gâchette, hein, avec le côté tuberon dans la paume de la main, ici, bien calé, et puis le doigt sur le bouton. Très agréable, pression pas très forte. Verrouillage en 5 clics, hein, quand on l'avait dans sa poche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote 3 fois. Ou 4-5 fois, ça s'éteint, ça marche plus. 1, 2, 3, 4, 5, ça se rallume. Et ça marche. Ou alors, avec le pouce, hein, ça marche très bien aussi. Hein. J'ai l'impression que j'oublie un truc. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre ? Donc vraiment très bien pour les subtanks, hein, qu'on va tous a priori à 25-30 watts, voire 35 watts, impeccable. Si on met un truc en 22, il y aura un petit gap de 1,5 mm de chaque côté, mais c'est pas choquant, c'est plutôt sympa, pas de souci avec ça. L'Atlantis, on va le monter à 35 watts. Marche impeccablement. Autonomie, bah on a un AQ en 650, hein, donc ça dépend clairement de votre vape, votre puissance, votre hommage, mais ça va, c'est correct, puisqu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de jus qui est perdu pour rien. Donc c'est pas mal. Évidemment, si on va à 40 watts sur un 0,4, en 2-3 heures, on va vider son AQ. Hein. Voilà, c'est plutôt sympa. Hein.
Donc on peut y mettre du 22, on peut y mettre ce qu'on veut, on peut y mettre un truc plus fin, j'en ai pas là sous la main, est-ce que j'ai un truc plus fin là? Tiens, si je mettais ça, qu'est-ce que ça va dire? Je sais même pas combien il est le chihuahua. Si je mets le petit chihuahua, ça peut être rigolo. Oh, un home, parfait un home. Petit chihuahua, j'espère que j'ai du jus dedans. Et pourquoi pas, petit délire. Le chihuahua il est en 16 je crois. Yes. Je sais pas de jus dedans. Enfin bon, ça marche très bien. Donc voilà, le 510 c'est vraiment très bien. Le plot sur ressort impeccable, ni trop bas ni trop haut. J'ai eu zéro souci. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Ben, sinon on y met un dripper en 22. Si c'est ça que je voulais faire. Si je mets un dripper, le silence par exemple. Il a combien le silence? 0,49, donc c'est impeccable. Il va le prendre. Voilà, avec un petit dripper. Sympa. Et donc, ce que je voulais dire pour finir, est-ce que j'ai du jus là-dedans? J'ai du jus. Je vais mettre à 40 watts. Ça patate bien. Hein. Ça patate bien. Je dirais qu'à 40 watts, il est peut-être un peu moins patate que une autre box. Moi, ça me va très bien. Avant, j'étais plutôt à 30 watts sur Dripper, puis 35. Maintenant, plutôt 40, 45, même plutôt 50. Je sais pas comment ça se fait. Si c'est pareil pour vous, j'ai tendance à monter. Voilà. J'espère que je dépasserai pas les 50. Mais là, en l'occurrence, à 40. Voyons voir, comparons 40 watts sur un DNA. Voir si je sens une différence, je suis à combien? Les vols, je suis à 40 watts. Ça doit pas être énorme, mais je pense qu'il envoie un poil mou à 40 watts la K-Box. Ouais, c'est vraiment minime quoi. Il y a peut-être 2 watts d'écart, enfin je sais pas. J'ai pas les outils de mesure pour ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait bien le tour. Je vais remettre dessus le subtank parce que c'est comme ça que je le tourne. Du coup, j'ai ressorti ce subtank que je savais pas trop sur quoi mettre vu sa taille. Et avec le RBA qui marche excessivement bien, que j'ai légèrement drémélisé parce que niveau sirop c'était pas parfait. Je sais pas si on voit, j'ai un petit peu agrandi les prises de jus à la drémel en bas là. Ici là. Et là. Ça se fait très bien. Hein. Et ça marche super, monté en FiberFrix, FiberFrix et ce filtre SADE dont le nom, l'Omega Wire, Tiger Wire. 40 watts sur subtank, pour moi c'est un peu trop, plutôt 30-35. J'aime bien ce setup. Alors c'est super lourd du coup avec le subtank, sachant que la box elle est très légère, elle fait avec un accu 160 grammes environ. Du coup, ouais, c'est assez équilibré si je fais... ouais non, le poids est au milieu. Mais bon, l'ATO est quand même un peu trop lourd pour le coup par rapport au poids léger de cette box aluminium. Et si on le pose, ça peut basculer assez facilement, mais ça va. Culbuto. Enfin voilà, on va passer sur ma face pour une petite conclusion et puis voilà, on aura fait le tour. Yes les Vapers, donc petite conclusion sur cette K-Box de Kanger, bah, très bien, hein, 39,90 chez Culture Vape, c'est à peu près le prix constaté sur tous les shops, hein, je pense que Kanger donne ses prix. Voilà, très sympathique, très simple d'utilisation.
toutes mes tergiversations sur le chipset, le PWM, etc. n'aura aucun intérêt pour les vapeurs qui seront concernés par cette box, sauf souvent des vapeurs pas non plus super expérimentés. Et puis même moi qui l'utilise, franchement, ça me pose pas de soucis. Et je pense pas être tout le temps en boosted. Super lisse là, je suis à combien? 35 watts sur 0,55. Je vais pas refaire un délire de calcul. Si, je vais le faire. 35 watts à 0,55, sachant que l'AQ il est un peu bouffé là. 35 watts, 0,55, j'avais dit 4. Ah ouais, je suis au-dessus, donc je suis en boosté quoi qu'il arrive là. Enfin voilà, terminons-en. J'ai la dalle. Dernier petit coup d'œil. Donc ici, on a l'impression d'avoir un tube. Hein. Sympa. Le petit logo. Prise en main agréable. Taille raisonnable. Sur ce, les Vapers, je vous souhaite un excellent week-end. Je vais essayer de faire une seconde review demain dimanche ou ce soir, samedi tard, mais je ne sais pas. Hein, je dis ça, puis je me colle dans mon canapé et j'en décolle plus. Donc on verra ça, mais normalement c'est prévu demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape, un bon week-end et à plus tard. Ciao. Like, not like.